qui se lève, je ne suis pas sûr. C'est le moment des déclarations de députés. Le député d'Elgin Middlesex London. Merci. Je suis très content aujourd'hui de parler dans la Journée mondiale d'Alzheimer, qui est une forme de démence qui touche la pensée, la mémoire et le langage. C'est irréversible parce qu'il y a des cellules du cerveau qui sont détruites et ça touche la capacité de quelqu'un de penser et de sentir. Les signes précoces d'Alzheimer, c'est des difficultés dans les tâches familières, des problèmes de langue, de la désorientation dans l'espace et le temps, un jugement limité et des changements d'humeur et des changements dans le comportement et dans sa façon d'être. Il n'y a pas de cure, mais il y a des traitements qui peuvent retarder le progrès de la maladie et améliorer la qualité de vie. Le nombre de gens qui sont diagnostiqués avec l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, augmente. Pendant que les baby-boomers vieillissent, on va voir vraiment une explosion de cette maladie. Des aides-soignants et les proches aident les gens dans des tâches quotidiennes, comme pour se laver, manger, etc. C'est important qu'il y ait assez de soutien pour les gens qui donnent des soins parce que de prendre soin de quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer peut être très difficile. On attend encore à ce que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée publie sa stratégie pour la maladie d'Alzheimer. Mes gens de ma circonscription veulent le traiter. J'encourage les députés à faire de même. D'autres déclarations, la députée de Nicole Bell. Merci, Monsieur le Président. Ce dimanche, 25 septembre, marquera le 16e anniversaire de la Journée franco-ontarienne et le 41e anniversaire de notre beau drapeau franco-ontarien, une création de M. Gaétan Gervais, dont nous sommes tous très fiers. Il y a beaucoup d'activités afin de souligner cette journée, en commençant par le banquet des franco-ontariens organisé par l'ACFO du Grand Sudbury, qui aura lieu ce jeudi soir au Collège Boréal. Vendredi, plus de 500 élèves des écoles Saint-Étienne de Darling, Sainte-Marie d'Azilda, Champlain de Chelmsford seront vêtus de vert et blanc et participeront à un rassemblement de fierté francophone, à des jeux et à une levée du drapeau. À Val-Thérèse, on aura droit à un tintamarre dans les rues, suivi de la fabrication de drapeaux de bonhommes verts et blancs pour décorer l'entrée du gymnase de l'école Sainte-Thérèse et du chant Notre Place. J'invite également le gouvernement à faire une petite annonce. Comme les francophones brillaient par leur absence dans le discours du trône, vous pourriez soit annoncer le Conseil des gouverneurs pour la création d'une université franco-ontarienne ou, étant donné le 30e anniversaire de la loi sur les services en français, l'annonce d'une refonte de cette loi serait également bienvenue. L'invitation est lancée, Monsieur le Président. Bonne journée franco-ontarienne à tous et Happy Francophone! Happy Franco. Joyeuse journée de franco-ontariens. Merci. Déclaration de député, la députée de Brampton, Springdale. Merci, Monsieur le Président. Plutôt cette matin, il y a eu des affiches d'un homme qui portait un turban et une barbe dans l'Université de Calgary et avec des messages haineux. C'était un événement entre beaucoup racistes. Il faut lutter contre ce racisme. L'université est ouverte à tous les gens. Il faut être fier dans notre communauté diversée. Ces affiches racistes ne réfléchissent pas à ce que le Canada représente. Le sikhisme est une religion basée sur les principes d'égalité et de justice sociale. Et les universités canadiennes devraient être un endroit où les gens peuvent étudier. Et c'est inacceptable qu'on discrimine contre aucun étudiant basé sur la religion, l'ethnicité, le genre ou la race. Et notre gouvernement a créé le secrétariat d'action contre le racisme et on veut inclure trop les gens et lutter contre le racisme systémique pour rendre l'Ontario et le Canada un meilleur endroit où vivre et élever sa famille. Merci. Déclaration de député, le député de Nipissing.
Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter Jim Core Industries dans ma circonscription du fait qu'ils ont été reconnus une des sociétés qui a le plus de croissance au Canada la deuxième journée d'affilée. La semaine dernière, la revue canadienne des affaires a reconnu Jim Core Industries de Mattawa dans leur liste de compagnies qui ont beaucoup de croissance. Et à Mattawa, on sait qu'on fait beaucoup d'innovations. GenCore a produit les camions spécialisés qui sont les meilleurs construits au Canada et on peut les voir partout au Canada. Quand on voit le logo GenCore sur un camion, on peut voir le résultat du travail de beaucoup d'hommes et femmes à chaque poste. C'est aussi un élément vital, GenCore, de la communauté de Mattawa. On voit son nom attaché aux attractions plus importantes et aux œuvres de bienfaisance. Je félicite Luc et toute l'équipe à GenCore Industries de cette réussite pour la deuxième année bien méritée. Merci, la députée de London Fanshawe. Aujourd'hui, en reconnaissance du Jour national de l'arbre, on distribue des semences d'arbres et je veux féliciter Graceland Forestry du fait qu'il aide à la forêt de London. La Journée nationale de l'arbre souligne l'importance de l'arbre pour nettoyer l'air, pour réduire la consommation d'énergie, améliorer la valeur foncière, etc. Et aussi d'avoir des contacts dans les collectivités. La recherche montre que du fait que si on plante d'arbres dans des quartiers désavantagés, ça aide. Pour toutes ces raisons, en 2014, la ville de London a dévoilé sa stratégie pour la forêt urbaine qui reconnaît que les arbres sont très importantes pour les villes et il faut investir aussi bien que les routes et les ponts. Dans beaucoup de collectivités, quand même, la forêt urbaine est menacée suite au changement climatique, aussi bien à l'étalement urbain et à des événements climatiques. Beaucoup de municipalités n'ont pas les ressources pour gérer bien leur forêt urbaine et sans coordination et financement de paliers plus élevés du gouvernement, on ne peut pas faire des percées. Donc, à cette journée nationale de l'arbre, j'encourage la protection des arbres. Merci, déclaration de député, la députée de Kitchener Centre. Merci. J'aimerais dire aussi bonjour à mes collègues. Et la raison pourquoi je partage cette salutation, c'est que demain, c'est le jour pour dire allô, bonjour, hi, dans la région de Waterloo, aussi bien en Ontario et au monde. Ce jour de salutation encourage les élèves d'école élémentaire et d'école secondaire dans 170 écoles de la région de Waterloo à d'autres dans leurs écoles pour encourager l'esprit communautaire, l'inclusion et la diversité. Et cette journée fait comprendre les gens afin qu'on puisse inclure les autres dès la petite enfance jusqu'à la 12e année. Les élèves apprennent de l'importance d'appartenir, de respecter les gens. Alors aujourd'hui, je veux dire bonjour à mes concitoyens à Kitchener Centre et aux Roumains, salut, aux francophones, bonne journée, aux Italiens, buongiorno, et aux nouveaux arrivants à Kitchener de Syrie, assalamu alaikum. J'encourage tous les députés à me rejoindre demain, à dire bonjour aux gens et promouvoir l'ouverture et la diversité de la population ontarienne. Merci, le député de Frontenac, Lanark, Lennox et Eddington.
Merci, Monsieur le Président. Au nom de ma circonscription de Lanark, Frontenac, Lennox et Edding, je veux féliciter la réussite de deux jeunes deux athlètes de Smith Falls exceptionnels. Brooke Henderson est devenue la première femme canadienne depuis 1968 qui a gagné un majeur au golf à la victoire de 2016 du concours KPMG. Elle est devenue la gagnante la plus jeune et la deuxième d'un concours, d'un tournoi majeur de golf pour les femmes. Brooke Henderson a eu beaucoup de succès et elle a pu arriver en deuxième dans le monde du golf, ce qui est le meilleur résultat pour un homme et une femme canadienne au golf. Elle a eu l'honneur aussi de représenter le Canada aux Jeux olympiques à Rio avec sa sœur Brittany. Et Brooke, Brittany et toute la famille sont vraiment des exemples pour tous les athlètes. Je veux reconnaître et célébrer le leadership et l'exemple de Brooke, Brittany qui nous ont donné et leur faire savoir que nous sommes très fiers et inspirés par leur réussite. À la famille Anderson, on vous remercie de votre inspiration et on vous souhaite beaucoup de succès dans le monde du golf et ailleurs aussi. Merci. Déclaration de député, le député de Bramley Gore Malton. Merci, Monsieur le Président. En 2012, des conducteurs de camions d'agrégats ont protesté contre les amendes sur les infractions au poids par axe. Et le problème, on a eu une exemption, mais le gouvernement, sans aucune raison, a laissé tomber cette exemption. Il y a encore de nouvelles amendes pour les camionneurs et on a eu beaucoup de succès. Ça touche non seulement les camionneurs d'agrégats, mais aussi les camionneurs de dépanneuses. Et donc, le gouvernement a su que c'était un problème et jusqu'à une décennie, mais le gouvernement ne fait rien. Encore une fois, les camionneurs d'agrégats protestent contre cette mauvaise pratique d'infraction de poids par axe. D'abord, le gouvernement devrait arrêter toutes ces infractions parce que les conducteurs, les camionneurs ne peuvent pas contrôler où va le camion et combien de poids il y a par axe. Et les camionneurs ont besoin d'une solution permanente. Les solutions temporaires ne résout pas le problème. Le gouvernement a tout le contrôle sur les règlements et l'impact sur les camionneurs et conducteurs de camions et le ministère des Transports peut faire quelque chose et je demande à ce ministère de le faire pour résoudre ce problème. Merci. Déclaration de député, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je veux rendre hommage à Dawn Penos de ma circonscription de Davenport qui est décédée en juillet. Dawn était un membre fondateur de la zone d'amélioration des affaires de St. Clair Gardens. Il a été président pendant de longues années en tant que propriétaire de Dawn Smith qui existe depuis les années 70 dans le quartier. Il avait une perspective très positive. Et cela a résulté des techniques novatrices de services à la clientèle excellentes, une bonne stratégie de mise en marché aussi bien que d'implication communautaire. Et en tant que député, j'ai eu l'honneur de connaître Dawn Penos et mieux encore depuis mon élection et même avant. Son implication communautaire a été une inspiration pour beaucoup de gens et on peut voir l'influence de Dawn avec l'amitié entre les entreprises et les résidents locaux qui a mené à la revitalisation et l'embellissement de l'avenue Saint-Clair Ouest. Dawn Penos est venue vraiment l'âme de cette association de Saint-Clair Ouest et le week-end dernier, j'ai eu l'honneur d'aller au jardin Saint-Clair au barbecue et à ce parti qui est organisé par l'organisme qui est maintenant un mémorial à Dawn. On remercie le travail de Dawn, on va le manquer et on sait que son travail va continuer à vivre à Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les députés. C'est le moment des rapports des comités.